Bonjour Isaac Bourga. Bonjour. Ok. On a suivi un babo. On va se mettre en valeur VGB. Là, on parle de ça. C'est exactement ce que je veux te parler. Le vanou, on a ça, on a super histoire là-bas. On a un canachitou, le kaoumoutou. Je suis un bon bas. Quand tu y as, tu y es. Du coup, je te disais l'espagnol, mon dame. Je te disais, mais c'est des questions bas. Et je te dis espagnol, mais ce que tu es. Donc, c'est là, je suis un roi sur l'Afrique. Donc aujourd'hui, on remarque que beaucoup de jeunes s'habillent avec des vêtements la marque, machin, pour paraître riche. C'est la mode. Non, c'est pour paraître riche. Au-delà de la mode, c'est vraiment pour dire que je suis riche. Moi, je porte des vêtements de 200 euros, de machin, de 400 euros, j'ai un JBL de 800 euros, j'ai machin chose. Est-ce que le monde est foutu ou pas? Ou c'est où tout le monde a droit de s'habiller comme il veut? D'un côté, tout le monde a le droit de s'habiller comme Condri. Il veut. Mais après, oui. Le fait de s'habiller chiquement, t'as qu'à la maison, il n'y a pas de riz et compagnie. Ouais. Là, c'est naze. Là, c'est naze. Oui. C'est-à-dire, s'habiller chiquement, oui. Alors qu'à la maison, on meurt de faim, oui, on dort avec des rats, il y a les rats qui nous mangent les carreaux. Ça, c'est pareil par expérience. Moi, je ne mange rien du tout. Donc, voilà. Et ma question. Comment peut-on faire pour faire comprendre aux jeunes que il faut qu'ils montrent ce qu'ils sont, pas ce qu'ils ont? Bah, ils n'ont qu'à faire comme le beau gosse Izzy. C'est-à-dire? Moi, je m'habille normalement. Je montre que j'ai pas d'argent. Et? Tu vois, mes vêtements, alors le bas, je m'habille 10 euros. Le haut, c'est 5 euros. Et cependant, on ne voit pas ce que tu es. Hein. Parce que toi, t'es un mec cool, t'es un mec qui veut faire des choses. Mais à travers tes photos sur Facebook, on voit pas ça. Bah, on voit juste un petit frimeur. Un petit frimeur, mais après, voilà. C'est juste pour délirer là-bas, mais... En plus, mes vêtements là-bas, là, tu les vois propre. Le jour où je mets une photo sur Facebook, ce jour-là, je lave mes vêtements. Alors, tu prêtes pas comme cela? Non, je prête jamais des vêtements comme cela. Non, emprunter. Excusez-moi, les gars, emprunter. Non, le problème de Pitsaf, tu veux dire quoi, donner l'image, je suis que je suis dehors, va savoir. Par exemple, il a rien, mais là, moi j'ai un petit ascoukoumi. Ah ouais. À toi, 80 euros, on a complet. Que 80 euros, là, c'est pas normal pour perdre, ou même au pire, c'est pour perdre. Justement. À partir d'un coup, par exemple, on complète, là, c'est un petit aller, à ta main, on met son manger, on met son manger, on a vie chez ça. Bah si, maman, c'est un soir là. Au sol, j'ai un manuel sous complaisant sur vêtements Adidas, Nike, Aour, Boca, ou Yotzi. Ou apparemment, bah, caca sanatezao. Au sol, j'ai fait crâne. Nazima. Avec Azazima, moi, qu'est-ce que je tiens? N'a pas dit non. Ah, sinon, s'il y a un toi la drago. S'il y a un toi la drago Facebook. Au moment où tu sais, tu vois chez moi là. À côté de l'hôpital, la grande maison qui est là. Ah ouais, au moment où on fait un tour, on va mettre une madame le maire ou quoi. Quand tu pièces, tu sais, tu dis, on va faire n'importe quoi. Bako, on a mis un Facebook, on a mis un jacamé cash, à tout. Parce que je suis à Tioni, à Bouboun, à Rayana Fontenige, à Bouboun, à Varakoro, à Bouboun. Ah, ok. Mais là, on a mis un atoli. Après, jamais t'as parlé de ma ghetto Yamsou. Ah, mais sérieux? Et ouais. Non, à Narangwamba. C'est chez toi ici. Ouais. Les quatre lignes qui étaient montrées, moi, j'ai. Les mains de Narangwamba, ils sont. Bouaba qui pire. Oshka ghetto. Même le pire, c'est là. Et ouais. Wandraono. Tu vois, c'est ici que j'habite. C'est chez toi. Oui. Ah ouais. Allez, on va ah ouais, c'est pour ça que les filles ne restent jamais trop longtemps avec toi. N'importe quoi. C'est pas grave. Une de perdue. Combien? Une malgache de retrouver. Une malgache de retrouver. Une malgache de retrouver. Hey, okay, voilà. Une malgache de retrouver. Hey, Bako. Ils disent, mais d'un. Ah. Chier, bordel. Ah. Ah. Bon, hey, ma Sandy, on me sent là. J'en ai un battle roulé. On s'en a ma gauche là, waouh, il est ça, ma. Je suis un peu plus de temps.
Je suis un peu plus de temps. Oui, là, je fais des courses chez moi maintenant. Non, avant, bordel. Avant, non. Du coup comment tu arrives à avoir des chaussures de 300 euros sans à pouvoir faire des courses de 300 euros à la maison? Je vais me taper par 300 euros. Yahiba. Yahiba, ou dans nos business? En cas que quel taille soit business, c'est awa zima, awa hibi. Ok. Ok, so la langue, c'est une basse. Comment tu dis sur la langue? Je vais te dire, attends, on a ça, on a ça, on a montré ce que tu as dit. Rana vous montrer ce qu'on a eu. Voilà. Nous sommes profs. Maintenant, Ramonga par exemple, Ramonga par exemple, Ramonga PDG. On nous fait quitter. Nous sommes bons pour moi, c'est deux dagons. Nous faisons pas des 5 euros à bord de chaque han. Des marques. Ouais. Parce que Ramonga est beau gamin, son dos fait quitter. Franchement, il est beau gars. Franchement. Contrairement à Nambanini, le Nambani m'a fait de la timbre. Eldin. Contrairement à Eldin, on est soif. Mais j'ai dit, on a savoir rien que Eldin. Eldin. Dites-le, il y a une négatif. À participer. D'intégrer. Voilà. Mais dites-le, Eldin, il y a une négatif. En tout cas, ne publie pas ça. Imagine. On me tire un peu. Je vais te dire. C'est celle-là. Jean-Guy, on me montre ma chaise. Pose des questions. Mais à part ça, tout le temps que l'on clash Facebook, c'est pas easy. Amba, vous valorisez qu'existe. Faut que l'on a piqué Wamhan.
Okay. Boy, it's obligé.